Bonjour, en quoi consiste votre métier au quotidien et donc est-ce que vous pouvez nous décrire une journée type? Bonjour, alors une journée type d'un boulanger, ça commence par le pétrissage des pâtes, le façonnage de ces pâtes. Ensuite, il y a la mise en chambre pour faire lever le pain, donc on appelle ça une fermentation. Et ensuite, il y a l'étape de la cuisson. Donc après, il y a différents types de fermentation, il peut y avoir des fermentations en direct, c'est-à-dire qu'on pétrit son pain, on le fait lever, on le cuit en direct. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les fermentations lentes. On pétrit son pain, on le met en froid positif, on le fait refroidir pendant 24 heures, ensuite il fermente et il lève tranquillement pendant 4 heures. Et on le cuit le lendemain, ce qui lui apporte un goût supplémentaire. Du coup, vous commencez à peu près à quelle heure tous les matins? On peut commencer à 22h, comme on peut commencer à 2h du matin. Pourquoi avoir choisi ce métier en particulier? Parce que ça m'a toujours passionné et c'est un métier qui apporte beaucoup de plaisir. Et vous qui avez beaucoup d'expérience, du coup, quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier? Alors les avantages, c'est le travail de nuit est complètement différent du travail de jour. On est beaucoup plus solidaires les uns des autres la nuit. Comme je disais tout à l'heure, c'est une passion. Il faut vraiment faire ce métier avec amour. Si on n'a pas cette passion en soi, on n'en tirera pas. Les inconvénients, c'est le travail de nuit, le week-end, pendant que les copains s'amusent et font la fête et vous êtes au travail. Et voilà. Maintenant, le matériel et les techniques de travail font qu'on arrive maintenant à ne pas travailler tous les week-ends. Alors, quelles sont les études qui existent pour devenir boulanger? Il y a différentes possibilités. On peut passer sur un CAP, ensuite sur un bac pro, sur une maîtrise. Enfin voilà, il y a différents types de diplômes à l'heure actuelle. Quelles sont les qualités pour se lancer dans une carrière de boulanger? Il faut être ponctuel, il faut être à nouveau passionné, vraiment aimer ce qu'on fait, parce que c'est un métier qui est contraignant et qui demande beaucoup d'investissement personnel. Et est-ce que ce métier a évolué au fil du temps? Énormément. Énormément. Le matériel fait que maintenant les charges de travail sont moins dures. Avant, un boulanger prenait son poste de travail à 19 ou 20 heures, travaillait 10 ou 12 heures d'affilée, soulevait des sacs de farine qui faisaient 50 kg. Il devait allumer son four tout seul. Voilà. Maintenant, la technologie fait qu'on a des chambres de fermentation qui se programment, des fours qui se programment, donc avec ce qui nous permet de venir travailler un peu plus tard et d'avoir une vie de famille plutôt sympa. Selon vous, quels sont les trois secrets pour la réussite? Bonne question. Toujours la même. La passion, la persévérance. Et l'amour de ce qu'on fait, tout simplement. Avez-vous quelque chose à ajouter pour les jeunes qui aimeraient se lancer dans ce métier? C'est un métier qui apporte tellement de richesses et il y a tellement de débouchés dans ce métier que n'importe quel jeune qui se lance aujourd'hui, qui obtient son CAP ou son bac, trouvera automatiquement du travail derrière. Il y a tellement de demandes qu'il est obligé de trouver du travail derrière. Dans tous les métiers, que ce soit la boulangerie, la pâtisserie, tous les métiers de bouche, il y a énormément, énormément de débouchés. Et ben merci beaucoup du coup pour cette interview. Merci à vous.